qui fasse Jean rêver. C'est une étape qui était courte, donc la moindre erreur coûtait très très cher. On a eu un problème avec le mât deux jours avant l'arrivée, et à ce moment-là, on s'est tous dit que c'était foutu, et pour la victoire d'étape et peut-être pour le général. Et puis on a quand même pu réparer, on est revenu dans le match en forçant pas mal sur le bateau. Et hier soir, c'était un peu à la limite tout le temps, mais c'est passé. Et on est très content de cette nuit, on a rien lâché, on a pris des risques, beaucoup de risques. C'était à celui qui prenait plus de risques en cassé qui allait passer. Et je crois qu'on a réussi une très très belle dernière nuit de course. À la maison, on est premier au général, on gagne l'étape. On a passé 2 ans à préparer cette course ici pour Groupama. Donc c'est extraordinaire, c'est énormément de satisfaction et c'est le résultat de beaucoup de travail, de toute une équipe, des gens à terre, c'est magique. Évidemment, on a toujours hâte que la ligne d'arrivée arrive quand on est en tête. Et voilà, un super moment. Et maintenant, c'est le relâchement et on va pouvoir faire la fête ici avec tous nos amis. Ça a été vraiment un super accueil. On a eu la patrouille de France qui était là ce matin, ce qui était assez incroyable. Et voilà, on a eu plein de bateaux, plein d'amis qui étaient sur l'eau. Et c'est sympa de retrouver les siens après 12 mois de voyage autour du monde. Bravo, merci. Bravo. 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 Super. Bravo. Ça progresse. C'est pas fini, hein. Il y a ligne forte. On a bouclé une boucle quelque part, hein. On rentre à la maison, on est parti là en septembre. Et quand je revis tous les moments qu'on a passés sur ce bateau depuis 8 mois, il y a eu des moments forts, des moments difficiles, des moments... C'est 9 mois d'acharnement pour arriver à un résultat d'une émotion de quelques minutes. Hein. C'est ça, là, d'ailleurs, la beauté d'un sentiment, c'est que c'est très éphémère par rapport au travail que ça représente. Mais c'était un très beau sentiment. Très, très beau. Un grand bravo pour Franck et son équipage. Voilà. Bravo. Yeah, this is not just a job that I've done. This is the job the whole team's done. It started 3 years ago, obviously, over here in the corner. The design, the development, the technical side of things, the shore crew, and now finally the sailing side. So it's nice to finally win into Lorient here with the whole team here, and everybody appreciate the work we've done. Exactly like that, the cheering, it was fantastic, you know, it's a very emotional moment for the whole team, very nice. C'est en merde, tout peut se passer. On a vu Telefonica malheureusement la nuit dernière, donc ça peut arriver à tout le monde encore. Et la course n'est pas finie. Et Galway, c'est toujours loin pour y aller, c'est toujours difficile pour y aller. Voilà, il n'arrive que l'autre monde.